Dans le dernier épisode de Planet Zoo, on a construit notre espace pour les lémuriens, cet habitat qui vous a beaucoup plu et qui, moi aussi je trouve, est un des coins les plus sympas qu'on ait fait jusqu'à maintenant. On va rester dans cette zone et construire un autre habitat dans le coin qui, cette fois-ci, pourra réellement être traversé par les visiteurs. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Planet Zoo. Dans le dernier épisode, vous vous souvenez que j'avais commencé à poser les portes et tout pour faire un enclos qui pouvait réellement être visité. Et puis en fait, ça marchait pas. Je trouvais que du coup, avoir une passerelle était beaucoup plus sympa. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on peut réellement traverser avec des oryctéropes, on se croirait dans Jurassic World, et des tortues, tout simplement. Et les gens vont pouvoir se balader à travers, peut-être interagir, je sais pas, les nourrir peut-être. On va voir comment on peut simuler ça dans une zone qui est juste à côté. On va découvrir ça tout de suite. Alors, on a ces îles-là qui rendent quand même vraiment bien, je trouve. Certains trouvent qu'il n'y a pas assez de végétation. Je suis d'accord quand on est genre au sol, mais quand on est en l'air, je pense que ça ferait trop bizarre d'en avoir d'un coup beaucoup plus que tout ce qu'il y a aux alentours. Donc je vais le laisser tel quel. Je vais le laisser tel quel. J'ai réfléchi, je sais pas encore si ça on va le faire traverser ou pas. Je pense que ça va être un peu relou étant donné que ici il y a le bateau, donc c'est-à-dire qu'il faudrait faire un pont, il faudrait que ça monte. Je me dis que juste avoir un point de vue comme ça, ça pourrait être très sympa. Et j'ai pris beaucoup de temps, j'ai dû prendre genre 1h30, 2h pour réfléchir à où j'allais mettre tous les animaux de l'Afrique. Alors il y en a quelques-uns qui manquent encore, mais là du coup j'ai décidé que j'allais mettre les oryctéropes et les tortues. Bon ok, donc on peut se balader, les visiter, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a là les hyènes qu'on va mettre, donc là ce sera le cimetière d'éléphants du roi lion avec des hyènes. Les éléphants juste à côté, je me dis que ça fait sens, en plus ils sont au bord de l'eau et tout, ils vont pouvoir se baigner, c'est nickel. Ici, on va mettre des hippopotames, donc là on a les hippopotames nains ici, là on a juste les hippos. Je pense que ça va être très sympa, on va pouvoir les apercevoir d'ici, ils auront deux îles pour eux, celle-là du coup on pourra pas y accéder, ce sera juste voilà, une île déco. Je pense que ça va être très très joli. Et il nous reste quand même si on fait, si on considère que genre tout ça c'est la partie Afrique, il nous reste quand même tout ça dans lequel on peut jouer, on n'a pas encore défini, et voilà les animaux qui n'ont pas encore été posés, sachant que je m'attends après tout à ce qu'il y ait des animaux qui soient ajoutés dans des prochains DLC et tout, comme là il y en a eu un pour l'Arctique. Donc je me dis que genre là on a 4 types de singes, tout simplement, ouais je peux mettre des singes, on en a du coup 4 qu'on va pouvoir mettre je ne sais où, j'ai envie de garder un... Je me demande aussi... Ah si, les hippos, c'est trop bien ici, mais il y a une part de moi qui se demande quand même si je devrais pas mettre genre ça, garder un côté très jungle au centre, avec du coup ici plein de singes. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc j'hésite. Les hippos, il n'est pas impossible que je les bouge par exemple par ici ou quelque chose. Les lycaons, c'est des sortes de... Alors en anglais, c'est African Dog, donc c'est des chiens d'Afrique. Je sais pas si je peux les mettre avec les hyènes, j'imagine que oui, ils vont pas se foutre sur la gueule, je sais pas, surtout qu'a priori les hyènes vont avoir une large zone. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'on peut mettre les lycaons avec les hyènes. Ensuite on a Niela Okapiorix, gazelle, je trouve qu'ils se ressemblent énormément, donc je me dis qu'ils marcheront ensemble. Il faudra un grand espace un peu plat, peut-être une plaine par ici. Les guépards. Alors, je ne sais pas où les mettre du tout. Et les varans, si vous vous souvenez, à la base, je les avais mis ici. Bon, enfin, c'est quand même un espace ridicule. Je ne vais pas mettre des animaux ici, c'est trop petit. Je me demande si on pourrait les mettre là, mais pareil, c'est très étroit. Je pense que ça va être très bizarre comme espace. Donc, je me dis qu'on les garde en réserve. Et on peut peut-être les poser, genre là, j'en sais rien. Quoique, ouais, si on creuse un petit peu l'eau ici. Et pour tous ceux qui demandaient pour les crocos, en fait, il n'y a pas de crocos pour l'Afrique. Il y a uniquement des crocos pour l'Océanie et l'Asie. Du coup, l'Asie, ce sera plutôt ici, et l'Océanie, j'avais prévu de le mettre... j'avais pas prévu de zone pour l'Océanie, tiens. Donc, à voir. Au pire, je me dis, vas-y, je cannibalise les crocodiles de l'Afrique et je les mets dans ce coin-là. Je sais pas, genre une île ici, avec juste une passerelle qui vient sur l'île. Pourquoi pas? À réfléchir. Bref. Ah oui, et pour tous... Ah oui, c'est très étonnant. Je le dis de temps en temps,
J'ai l'impression que je le dis tout le temps en épisode. Le safari n'est pas terminé. La savane n'est pas terminée. Hein. Tous ceux qui disent ouais, c'est moche, il n'y a pas d'arbre et tout. Oui, non, c'est pas terminé, hein, les gars. Il reste. C'est juste qu'on a passé tellement de temps dessus que je me suis dit qu'on allait faire une pause. Mais cette zone-là, on va la reprendre plus tard. On va mettre de la végétation. On va organiser tout ce qui est espace de nourriture parce que pour l'instant, j'en ai juste collé un peu partout. Et par contre, pour tous ceux qui me disent ouais, mais plutôt de l'herbe jaune, là, ça fait pas très réaliste. Je ne peux pas. Si vous regardez un petit peu dans le terrain. En fait, vous voyez que bah, l'herbe, je peux pas choisir la couleur, sinon le seul truc qui serait jaune, c'est du sable, c'est pas la même chose. Et en fait, ça, c'est tout simplement, j'imagine que... Ouais, non. C'est dans le choix de la map. Donc là, par exemple, j'ai choisi, je crois que je suis dans le truc Tundra... Taiga. Taiga ou Tundra, je me souviens plus. Tiens, il y a des trucs dans des caisses, mais sortez. Sortez, mes amis. Et du coup, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est de cette couleur-là. Si j'avais choisi plutôt un truc dans la plaine, justement, ou dans un tropical, peut-être que ça aurait été un petit peu plus jaune. Mais là, c'est juste pas le cas. Donc voilà. Bref. Alors, comment est-ce que je vois ça? Déjà, on va mettre une première allée, je pense... Oh, on pourrait faire une allée en rondin. Vous savez quoi? À l'extérieur, on va le laisser en écorce, et à l'intérieur, on le mettra en rondin. Quelle largeur? Je vais commencer avec un truc de 6 qu'on va essayer de centrer. Donc genre là. Pourquoi 6? Parce que je veux l'amener là. Et ici, en fait, je vais mettre une porte. Et là, il y aura un bâtiment, en fait, pour le staff. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On prend genre notre bâtiment du staff qu'on rend petit. Et... Ah bah, pourquoi? Okay. On met ça là. On se débrouillera après. Toi, ouais, attendez, je vais me débrouiller, je sens que ça va être galère. Ah oui, d'ailleurs, en plus, ça, il faut que ce soit 4 de large. Ah, ben non, attendez, on oublie ça. Attendez. Alors, je vais être obligé de le placer comme ça. C'est quasi parfait, mais pas tout à fait. Mais bon, admettons, c'est trop chelou, en fait. Il veut forcément tourner sur un axe. Et si lui, je le chope comme ça... Ouais, vous voyez, c'est pareil. Même si je désactive... Le fait que ce soit incrémental, ça le reste, donc bon, c'est pas très très grave. Et ici, on va le changer un petit peu. Ce pont-là, je pense que je vais le garder dans cette direction-là. Mais ici, je vais un petit peu changer, je vais peut-être mettre une autre place ou quelque chose. Donc là, on a une entrée ici, je pense que j'ai envie d'en avoir 3. On a une autre ici qui va descendre, donc je pense qu'on va la mettre... Est-ce qu'on la met quand même en hauteur ? Je sais pas. Je vais passer en timelapse, ce sera beaucoup plus simple parce que je réfléchis, j'ai besoin de réfléchir longtemps, j'ai besoin de voir comment on va faire. Mais là, clairement, il va y avoir une descente, donc là, comme ça, il y aura de la végétation qui cache un peu, ça leur donne un petit peu de vie privée. D'ailleurs, ouais, où est-ce qu'on... Ah bah non, il n'y a pas de vie privée vu qu'on traverse... ouais, si, ce serait bien quand même qu'il l'ait, mais en même temps, ça peut pas être de ce côté-là vu qu'il y a l'allée. Enfin, il y a un pont qui passe. Peut-être que ça devrait être ici, en fait, on a juste... Un chemin comme ça qui monte, qui traverse, mais c'est un peu dommage comme forme. C'est un peu dommage, ouais. Du coup, je pense que je vais même pas vous le montrer en timelapse, ça, j'ai pas fait grand chose. Ça, je peux le supprimer parce que c'est bon. Si je vais dans mon échange d'animaux et que je sélectionne tous, je peux les envoyer dans le zoo. Bon, ça, non valide. J'ai encore oublié de relier un tout petit mini truc tout nul, plusieurs entrées d'habitat. Mais non, ça compte comme une entrée d'habitat. Hein? Ok. Faut que j'expérimente un peu. Est-ce que du coup, ça, j'ai pas le droit de le mettre? Est-ce que maintenant, c'est bon? Non, trop chelou. Ok, très étrange. Donc, en fait, ça, le message d'erreur, c'était plusieurs entrées. Mais en fait, le vrai problème, c'est que j'avais utilisé une clôture commune ici. Je m'étais dit, bah parfait, il y a deux clôtures, hop, je les relis. Et en fait, il n'était pas du tout content. Donc là, j'ai deux clôtures côte à côte. Sachant que depuis, je me suis rendu compte que les... alors en anglais, c'est aardvark, en français, c'est les orcitératopes. Putain, la vache. Eux, ils peuvent nager. Donc il va falloir vérifier, mais il est très probable qu'il puisse s'échapper. Mais bon, j'ai toujours tous les trucs là, c'est bien. Maintenant, il va falloir bloquer un petit peu. Je sais pas encore comment. Je me dis que ça, cette barrière-là, je l'aime beaucoup. Je ferais bien cette barrière-là sur ce côté-là.
Et ici, on fera quelque chose de différent. Et pour l'instant, ça, on va voir si on peut le laisser tel quel. Et s'il commence à se barrer, on réfléchira à comment on peut régler la situation. Mais non, sinon, on est pas mal là-dessus. On va ajouter des rochers ici pour que ce soit joli. Je me dis que là, toute cette partie-là, en fait, on va la laisser relativement privée pour que les animaux puissent avoir un endroit où ils peuvent aller en étant tranquilles. Du coup, ah oui, et bien sûr, ça, ça va pas rester en béton, c'était juste pour avoir la forme du bâtiment. Bah, c'est parti! Alors on a sacrément avancé pendant ce timelapse, finalement je me suis un peu laissé emporter, j'ai fait beaucoup de changements. Alors déjà vous voyez que la majorité de la végétation est intégrée, pas tout à fait tout parce que les... je crois que c'est eux. Eux ne veulent pas de... non c'est... ouais c'est ça. En gros ils veulent que du tropical et j'aurais bien mis autre chose pour... En fait le truc c'est que dans le tropical il n'y a pas vraiment de truc pour juste remplir par terre et tout. Donc je vais voir, j'ai quand même envie d'intégrer des choses là sur les rochers et tout parce que pour l'instant ça me paraît encore un poil vide. Mais sinon voilà à quoi ça ressemble. Donc on... Alors là j'aimerais rajouter un... Je vais rajouter un panneau ou quelque chose, c'est juste que le jeu buggait, j'ai dû le redémarrer donc on le mettra après. On entre ici. Hop, alors j'aurais pu mettre un double... genre un sas et tout, mais bon, je me dis, il y a peut-être, c'est peut-être pas nécessaire de mettre un sas. Oui, c'est bien de pousser le réalisme, mais peut-être pas si loin que ça. On arrive ici, vous savez quoi, on peut mettre des... on peut rajouter peut-être des bancs. En supposant, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre... Tiens, on va changer de banc, on va prendre ce... Non, tu sais quoi, il y avait ce juste à côté que dont j'avais changé la couleur. Hop, vous... Hop, tiens d'ailleurs, est-ce que j'en ajouterai pas ici? Ah oh ouais, ça va être cool. Cette petite place qui vous plaisait beaucoup, elle me plaît également énormément, du coup. Hop, voilà. On va ajouter voilà, juste deux bancs ici. Alors c'est un peu compliqué parce que visiblement il veut snapper au milieu absolument, mais bon, hop.
Mais regardez comme c'est énorme, du coup il se balade vraiment sur les chemins et tout, c'est génial. J'ai décidé de ne pas mettre de poubelle parce que je me dis que c'est un coup à ce que les animaux se jettent dessus. Donc, ah ! Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans le truc de sécurité, on a ne pas nourrir. Ah yes, ça c'est génial. Donc ça, typiquement, je vais le mettre vraiment à l'entrée. Ne pas nourrir, juste là, c'est très important. Et on va en mettre un autre à l'autre entrée. Alors, vous remarquez, la première chose, c'est que j'ai... Animal affamé. Ouais, bon, cet enclos-là... j'ai enlevé une des entrées. J'ai enlevé l'entrée qui était ici. Notamment parce que je me suis rendu compte... Ah oui, j'avais mis le cycle jour-nuit, au fait. On va voir ce qu'on en pense. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de visiteurs l'utilisaient, en fait, pour traverser, pour aller plus vite. Et c'est vraiment pas ce que je voulais. Là, vous voyez que ça vous allonge limite le trajet. Donc, si vous venez ici, c'est que vous voulez vraiment être ici et visiter un petit peu. Sachant que vous pouvez faire comme monsieur, et juste venir là au niveau de leur abri. Vous avez un petit écran et tout, vous pouvez les voir, et eux ne vous voient pas. Ah, faudrait que je change un petit peu, que je bouge ça. Donc voilà, ça c'est le petit abri que j'aime bien. On a leur bouffe un peu partout. Là, ils peuvent jouer ici, ils ont des jouets un peu partout. Et j'ai dû faire un gros changement parce que, autant les tortues... Bizarrement, parce que pour nous, les tortues, c'est des animaux aquatiques, mais en fait, ne peuvent pas nager. Mais eux, oui. Et du coup, très rapidement, ils ont commencé à se barrer. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est mettre une barrière là. Tiens, là, qui est un petit peu bizarre. Oh, non, non, c'est bon. Une barrière, du coup, en vert, qui vient sur cette île. Et vous voyez que, du coup, la barrière continue là. Et en dessous, là, on a un grillage. Et j'aime bien cette idée, en fait, c'est que je me suis dit, ah, est-ce que j'ai envie de les limiter ici, direct, ils ne pourront pas nager. Et là, je me dis, oh, bah pourquoi pas, ils viennent là, et en plus, si ça se trouve, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre truc en bateau, vous allez peut-être en apercevoir sur cette île. Alors, on verra comment ça se passe. Si jamais ils commencent à déféquer sur cette île, il va nous falloir un accès pour les soigneurs, pour qu'ils puissent récupérer, enfin, pour qu'ils puissent nettoyer, tout simplement. Donc on verra, on n'y est pas encore, mais on faut y réfléchir. Et vous voyez que quand on se met à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas assez de végétation. Donc je pense qu'il faudrait qu'on en rajoute, voir comment on peut faire pour vraiment étaler, mettre plus de ces plantes un peu partout. Ah, mais c'est génial, là, on se balade. Et je vais rajouter des... comment il s'appelle, Ornithorop ou quelque chose comme ça. Des... Orcitérop. Parce que... Ah non, non, pardon, on va rajouter des tortues, des Orcitérop. On est au nombre max, mais eux, vous voyez qu'on peut avoir genre deux femelles de plus, quelque chose comme ça. Hop. On a ici, alors il est très particulier ce bâtiment-là, parce qu'à la base je devais mette l'abri ici. Donc ici on a cette grande fenêtre que je pense qu'on va largement changer. Voilà, c'est beaucoup mieux, sachant que le bâtiment ne me convainc pas dans le sens où je l'ai changé en fait. Avant j'avais mis une statue ici que j'ai bougé, et du coup ce bâtiment est beaucoup trop quelconque, je trouve. Faudra qu'on voit comment... Je sais pas trop comment j'ai envie de l'améliorer. Vous voyez qu'il est vraiment collé sur l'allée, donc on n'a pas trop de possibilités. Mais bon, on va juste peut-être mettre un... Ah tiens, vous savez ce qu'on peut faire? Utiliser la pièce toute faite, ici, que je trouve assez sympa. Ça, que j'ai déjà utilisé à quelques endroits. Est-ce que ça... Ah ouais, il y a moyen que ça passe en plus. Hop, que ce soit pile la bonne taille. Voilà, un truc comme ça, ça rend plutôt bien, moi j'aime bien. Là, du coup, c'est un peu caché. Ici, on pourrait rajouter... Qu'est-ce qu'on a comme déco murale? Ah tiens, on avait utilisé un de ces boucliers-là, juste ici, il me semble. On avait utilisé le rond, et ben on va utiliser l'ovale ici. Juste, voilà. Pour rester dans le même thème, et en même temps le changer un peu. Paf. Ok, bon, en vrai, c'est un tout petit truc de service qu'on voit à peine, j'ai pas envie d'en faire trop. Ouais, j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus, je vais peut-être juste animer un petit peu, enfin, habiller plus là, surtout les coins, les angles, je trouve qu'ils sont un petit peu bizarres. Voilà, beaucoup mieux. Du coup, on se retrouve avec ce bâtiment-là pour le staff, alors sachant que, comme ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est un faux bâtiment, ça sert à rien de vraiment faire l'intérieur, j'ai pas essayé de faire rentrer de... tiens, je sais pas si ça rentrerait, j'en doute, de faire rentrer, comment dire, un truc de soigneur, mais c'est pas très grave parce qu'il y en a un, hop, juste de l'autre côté de l'allée, hop. Ouais, non, ça rentrera pas. C'est pas très très grave. Il y a une cabane de soigneurs. En plus, il me semble que c'est une grande... Ouais, non, c'est une petite.
Une petite cabane de soigneur là, bon bah c'est pas grave, qui s'occupe d'eux aussi, vous voyez qu'il y a juste à traverser, c'est vraiment très proche. Donc il s'occupe du coup des lions et du Warken. Et ah oui, et du coup, tiens, la fameuse statue, c'est une statue que j'ai trouvée sur Workshop, qui c'est celle de Terry. On va voir comment est-ce qu'elle s'appelle. Terry, c'est la tortue de Seps, pour ceux qui le connaissent. Terry the Magnificent, voilà, si jamais vous voulez la chercher vous aussi sur le Workshop. C'est un YouTuber streamer que j'aime moi aussi beaucoup, donc du coup, ça m'a fait rire de voir ça, je savais qu'il jouait à Planet Zoo. Et du coup, voilà pour cet espace-là. Donc, rajouter de la végétation, rajouter quelques tortues, mais sinon on est bon. Deux petites choses en plus. J'ai fait des arbres, j'ai mis des arbres sur cette allée que je trouve super beau, mais ils cachent du coup le rocher ici. Et en soi, c'est pas grave, on arrive ici, on a le reveal, c'est sympa. Mais ça veut dire qu'on ne le voit pas ici. C'était de cet angle-là que je voulais qu'on le voit depuis à la base. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, ça? Ou est-ce que je devrais changer d'idée et s'assurer qu'on puisse toujours voir le promontoire depuis cet angle-là? Sachant que ouais, même au-dessus sur le pont, on ne le voit pas. Et l'autre chose, c'est que du coup, ici, à la base, j'avais ce chemin qui passait ici. Je trouvais que c'était bizarre, en fait. De limite, pour regarder ici, il faut s'arrêter dans le chemin. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai orienté ça sur le côté. Je pense que c'est pas choquant. Et là, j'ai fait une sorte de petite place. Comme ça, on a un petit peu sur le bord. On se met là. Tiens, je vais peut-être mettre des bancs ou des trucs comme ça. Et là, du coup, je prépare le terrain pour... Je pense une boutique. Je pense qu'une boutique, là, ça marcherait bien. C'est quelque chose que j'ai pas mis depuis longtemps. Je pense que je mettrais bien une boutique ici et... un truc de boisson là ou quelque chose. Ah ouais, en plus c'est vrai que j'ai la place ici. Ah carrément, c'est une bonne idée. Comme ça là j'aurais une sorte de double place ou un petit bout de place ici avec un bâtiment, là de la végétation. Et ça, je pense que ce sera pour un prochain épisode. Je me rends pas compte jusqu'où je suis allé aujourd'hui. Donc quelques petites modifications à faire là. Les panneaux, je vais auto-habiller ça ici, mais sinon j'aime beaucoup le rendu. Ah oui, tiens, il y a aussi cet endroit-là où on a quelques écrans. Ouais, non, ça ne marche pas, ça d'ailleurs, le sol en écorce. J'aime beaucoup. C'est ce que j'avais commencé à utiliser ici, d'ailleurs, c'était du sol en écorce, mais je me suis dit, ça n'a aucun sens pour un truc où on se balade comme ça au milieu des habitats, des animaux. On va juste mettre de la terre. Visitez leur enclos, tortue géante des Seychelles, Oryctérope du Cap, avec plein de frises. J'ai de plus en plus de frises, ça m'inquiète un petit peu. Pourtant, j'ai baissé un tout petit peu la qualité du jeu, je suis passé de ultra à élevé. Faut que je vois, j'ai l'impression que ça arrive plus quand j'enregistre plutôt que j'enregistre pas. Donc, je vais peut-être me retrouver à devoir enregistrer sur... Enfin, faire comme un PC de stream, mais pour le PC d'enregistrement, on va voir. J'ai aussi posé ça ici. On le fera dans un prochain épisode, tout ce qui viendra ici. Ce que j'ai envie de faire pour terminer... Ah oui, ça, il faut que je le fasse aussi d'ici la cinématique. Ce que j'ai envie de faire... Il y a eu une idée excellente concernant les Lemuriens qui m'a beaucoup fait rire. C'est ça. C'était de mettre un avion crashé pour rappeler hein, Madagascar. Et j'aime beaucoup l'idée. Alors évidemment, on ne va pas tout prendre. Là, il y a écrit quoi? Ça ferait... Ah oui, d'accord, c'est censé être une entrée. Bah, j'aime beaucoup l'idée. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Nous, tout ça, on le supprime. Alors, est-ce que toi, je peux te mettre dans n'importe quel arbre? Ou est-ce que t'es vraiment... Ouais, ouais, en vrai... Ouais, il a juste pris... Parce que du coup, c'est marrant, j'ai trouvé un autre avion. En fait, j'ai tapé Wrecked Plane, quelque chose comme ça. Mais d'où il y a plein là-dedans? Bref. Là. Alors, non, ça c'est l'avion publicitaire, mais j'ai l'impression que c'est exactement... Ouais, c'est le même, donc c'est clairement la même personne qui les a fait. Et du coup, celui que j'ai moi pris, c'est Crash Plane, tout simplement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est, hop, toi te choper et voir si je peux simplement te mettre... Alors, le plus logique, ce serait cet arbre-là. Le problème étant, il est tellement élevé, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Eh bien, j'aime beaucoup. Le pire, c'est que ça se remarque pas tant que ça, donc ça fait un peu un easter egg. On a cet avion crashé au milieu de l'habitat des Lemuriens. J'aime beaucoup. Je trouve ça très, très drôle. J'espère que vous aussi. Et du coup, bah, nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Ah oui, pour la végétation de cet habitat, j'allais en rajouter, sauf que si on regarde les
Hop, je vais leur donner le nom anglais parce que le français, j'y arrive vraiment pas. Les Aardvark, vous voyez qu'il y a déjà trop d'occupations. Donc eux, ils ont un malus à leur bien-être ici, comme vous pouvez le voir. Après, bon, ils sont quand même en tout à 92%. Et les tortues, pour l'instant, c'est bon, mais vous voyez qu'on s'en rapproche. Donc, je pense que ça vaut pas le coup de trop rajouter. Je pense que je vais rester sur cette quantité de végétation. Par contre, je suis vraiment déçu qu'ils aient rajouté cette limitation. C'est quelque chose qui n'avait pas plu pendant la bêta. Et ils l'avaient enlevé, et visiblement, en fait, ils l'ont remis, ou alors peut-être qu'ils l'avaient jamais enlevé, enfin, bref, c'est un petit peu dommage. Hop, on va juste rajouter ça ici. Et il va falloir que je fasse un petit peu le tour du parc aussi, et que j'ajoute des poubelles un peu partout, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. En tout cas, c'est cool, cette zone-là, qui avant était vraiment en mode, fallait tout traverser pour pouvoir arriver à quelque chose d'intéressant. On commence à avoir des choses intéressantes sur le chemin. Ici on va rajouter quelque chose d'autre, et puis surtout là on a quand même la traversée pour aller chez les Lumériens, mais ici aussi tout le resto et tout qu'il va y avoir. Tiens, d'ailleurs je sais pas si je vous avais montré ça, je crois pas. Là j'ai mis, donc ça c'est la zone finale, enfin le tracé final de ce chemin. Vous voyez là on a un truc un peu sympa pour aller voir les Lumériens, ça descend gentiment, et du coup ce que j'imagine c'est que le bâtiment sera ici. Avec ça, en fait, une sorte de passerelle à l'extérieur du bâtiment. Donc on verra exactement comment on le fait fonctionner, ça peut être sympa. Et là, je pense qu'il y aura juste de la végétation. J'attends de voir à quoi ça va ressembler, mais pour l'instant, c'est à ça que je pense. Donc là, je pense qu'il nous reste... peut-être ça, on peut peut-être le faire en un épisode, peut-être deux. Ouais, deux grands max, je dirais. Et puis, les yens, j'ai téléchargé des trucs vraiment cool du workshop. Ça, pour le coup, je me sens pas du tout capable de le faire, donc... Oh, ça va être très cool. Donc, on pourra faire le cimetière des éléphants, comme vous l'avez suggéré. Donc, ouais, beaucoup de très, très bons plans pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, quelques cinématiques. C'est un petit habitat, mais je le trouve très cool. Et surtout, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein, le fait qu'on puisse vraiment traverser, se balader au sein des animaux. Donc, voilà, encore une fois, je veux à la fois construire des trucs jolis, mais je veux aussi un petit peu jouer avec le gameplay du jeu. C'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours. Et là, j'espère que ça plaira à ceux... qui aime particulièrement ce côté du jeu. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Bonne fête de fin d'année à tous, c'est le dernier épisode de l'année. Bonne année, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.